Bonsoir, un petit comité Covid oblige. Ce soir, on est ravis d'accueillir Sam Bauget pour son dernier livre, Petit désastre. C'est pas vraiment la suite de Sale Gosse, pour ceux qui ont déjà lu Sale Gosse, mais c'est une autre histoire. Qu'est-ce qui t'a pris d'écrire Petit désastre? C'est le Covid qui t'a rendu désastreux ou... J'ai toujours été désastreux, moi, de toute façon. je vais d'emmerde en emmerde. Non, en tout cas, ce bouquin, je l'ai... En fait, avant même Sale Gosse, je m'étais dit que cette aventure, elle était suffisamment rocambolesque pour que elle mérite d'être racontée. Du coup, c'était avant même où je me disais, celui-là, je vais essayer d'en faire un bouquin si j'y arrive. Voilà. C'était un enchaînement de désastres. Un petit peu, quand même. Je vais lire juste déjà le préambule. Pour qu'on se mette un peu dans l'ambiance. Le doigt du grand alpiniste chevelu me montre la voie de la sagesse. Ne grimpe plus les montagnes, contente-toi de les regarder. Le souvenir d'une partie de toi suffira à te combler. Plus besoin de nouvelles expériences. Tel un moine enfermé pour toujours, je vais m'élever au-dessus de mes semblables, devenir un ange flottant parmi les anges, béat devant mes conquêtes affichées en couronne sur mon écran tactile. Je vais cesser de courir après ces trains que l'on n'attrape jamais. De toute façon, mes vieilles jambes ne me portent plus assez loin et la vie doit devenir contemplative. J'essaye de m'imaginer comme le maître assis en tailleur, les mains jointes vers le cœur des choses, respirant un instant le souffle des glaciers et des abîmes qui s'enfoncent dans la nuit. Je jouis d'être là, au pied des géants. Mes pieds nus caressent l'herbe grasse et humide d'un beau soir de printemps. Je suis là-haut sans y être, sans soif ni sueur. Mes muscles sont détendus, mon dos débarrassé du poids du sac, mes mains chaudes ne craignent pas l'amputation. Ma respiration est calme et l'œdème pulmonaire de haute altitude ne me menace plus. Il est si facile et si bon de regarder cette montagne en s'imaginant y être. Au diable et au stupide de la souffrance, je suis au-delà de tout cela. Je bois un thé vert et je glisse dans mon sommeil. C'est très philosophique, hein? Ouais, c'est en fait, c'est tout sauf moi. Donc, c'est introduire, en fait, ce qui va se passer après par rapport au fait que, finalement, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire, du yoga en regardant les montagnes, ou est-ce qu'on veut toujours y aller? C'est un peu la question. C'est la question, ouais, que tu t'es posée après tout ça, quoi. Oh, ouais, déjà avant. Ouais, même avant. Tu te la poses toujours. Forcément, tu vieillis, tu avances moins vite, tu marches moins vite, tu fais des choses qui sont plus les mêmes, tu peux pas faire aussi dur, tu peux pas faire mieux. Donc tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il y en a d'autres comme ça, voilà, quelque part le chevelu, il y en a qui l'auront reconnu. Il a arrêté l'alpinisme et il regarde maintenant les choses depuis son château. Et du coup, à voir si... Tu parles du si gros vous... chevelu comme ça? Ah bah peut-être. Dans son château tyrolien? Ah ou... oh, ben, je sais, non, pas si pas. C'est au Tyrol, moi, oui, j'en sais rien. Pas. Non, mais dans l'idée, c'est ça, c'est de se dire, je suis pas sûr que voilà qu'on arrive finalement à se combler avec ce qu'on a vécu avant, tous, pas seulement de la manière d'un alpiniste, c'est juste la vie en général. On peut pas se combler juste de ce qu'on a fait avant. Il faut forcément vivre à l'instant aussi et essayer de faire des choses qu'on a envie, mais avec le moyen du bord. C'est un peu le syndrome de Peters, c'est-à-dire qu'on arrive au sommet d'une ascension et après, à un moment donné, tu es obligé de redescendre aussi. Oui, mais après, ça, c'est tous les alpinistes. À un moment donné, on va toujours regarder la montagne d'après, parce que de toute façon, celle-là, elle n'était pas très intéressante. Il fallait toujours faire celle qui était un peu plus au soleil ou un peu plus verte, si on parle de la prairie. Mais c'est plus de dire que... On peut pas... C'est pas possible de... À chaque fois de dire, bon, bah c'est bon, j'ai fini. Même quand on vieillit, on n'a pas fini, quoi. Il y a plein de trucs à faire. Alors, donc en tout cas là, tu n'avais pas fini, puisque tu as décidé que tu allais partir dans les Yosemites.
Nous roulons lentement. Je suis heureux d'entamer ce pèlerinage vers la Mecque des Big Walls avec mes deux amis. Tolkien n'aurait pas fait mieux s'il avait fallu inventer cette féerie. Un jaillissement de granit bourré de fissures et poli sous l'air glaciaire, planté au cœur d'une forêt magique et bordé de cascades gigantesques. J'aime ce lieu comme s'il faisait partie de moi. Et si l'on veut comprendre cet attachement, il faut d'abord raisonner en macroscopie. La Terre fait partie de nous. Elle est notre espace primitif. Le dehors et le dedans sont intimement liés par des lois simples. Puis, il faut se rapprocher méticuleusement d'un détail important. Celui-ci est plus fort à mes yeux que le vertige des hauteurs, plus encore qu'à la démesure de ces murs découpés au couteau et semblables à des océans de pierre extravagants. Il faut revenir au souvenir du toucher, là où mes mains se sont posées. Il faut parler du caillou, décrit par mes doigts, parler du grain et parler de sa finesse, de toutes mes escalades rocheuses. Dans toutes mes escalades rocheuses, pardon. Il y a eu deux occasions seulement où j'ai pu ressentir ce phénomène puissant de grimper peau contre peau. Ici, dans le parc du Yosemite, lorsque mes doigts se sont posés en Australie sur Uluru, le rocher sacré que les hommes blancs appellent Ayers Rock. Je peux décrire cette sensation comme l'instant où deux matières se rencontrent et s'accordent malgré leurs différences, comme lorsque l'on touche la peau d'un serpent et que l'on est envahi par sa perfection. La rugosité mêlée à la douceur nous fascine, comme l'effet moiré d'une sculpture où rien n'est défini. C'est une croûte vivante en évolution qui se meut autant que nous. Ouais, le grimpeur, c'est forcément pas seulement de regarder le paysage et puis de dire c'est beau. C'est plus de sentir. Parce que quand on grimpe, voilà, on met les mains, on met les pieds, et surtout les mains. Ouais. Et souvent, voilà, on n'en parle pas forcément beaucoup. Parce que généralement, voilà, on va parler du passage le plus difficile qu'on a fait, ou des choses comme ça. Et c'est pas seulement ça. Il n'y a pas que moi qui parle un peu de ces sensations-là. Surtout au Yos, où en fait, on est estomaqué à chaque fois qu'on voit... ce rocher, déjà juste avant de le toucher, on a envie de savoir qu'est-ce que c'est, parce qu'on arrive dans le parc par le col, on descend, on est dans la forêt, du coup on voit rien du tout, et puis d'un coup on voit une ombre à travers la forêt en levant la tête, et on se dit mais non, c'est pas possible, pas ça, ah bah si, et du coup voilà, il y a quelque chose qui se présente, et c'est ce monolithe là, c'est incroyable, parce que c'est tellement lisse. Au départ, on se dit, bah non, mais ça doit quand même vraiment être beaucoup plus dur que ce qu'ils disent, quoi. Et puis voilà, puis on va aller finir par mettre les mains là-dedans, et surtout dessus. Et ce contact-là, il est particulier. Le toucher, ouais. En fait, il y a tous les sens quand même qui travaillent, qui sont développés quand tu grimpes. Mais le toucher, c'est le plus important. Ouais, mais bien sûr qu'on peut parler de tout, mais je pense que quand on grimpe, juste de prendre une prise, déjà, c'est pas ça, quoi. On la prend en particulier. Moi, je suis désolée, je reste un peu dans le début, parce que je l'aime bien. Mais je t'en prie. Mais je veux pas tout dévoiler, tous tes désastres, en fait. Parce vrai que c'est une accumulation que je pense que c'est sympa de découvrir en lisant le livre. Okay. Et si je dévoile tout, bon, il y a un enchaînement, mais c'est sympa de... Pas de non, c'est ah, mais toi, c'est toi qui... C'est un peu comme dans un petit polar, quoi. On va planter le décor, donc c'est Yosemite. Ouais. Hein. Et puis, en plus, c'est pas la première fois. Enfin, là, tu le dis. J'aspire comme tout le monde à l'éternel retour. Je reviens sur les traces de mon passé, celui du sale gosse qui vivait avec ses frères de jeu, comme un beatnik du rocher criant « No future », en déchirant les codes pour me consacrer uniquement aux gestes de l'escalade traditionnelle. Je redeviens un parasite de la société, vivant comme mes idoles du temps jadis, en nuisible, accroché à une paroi, usant de mes membres avec sûreté et précision, dans le seul but de tanner ma peau de crocodile au soleil généreux de la Californie. Je peux à nouveau chanter parmi les fleurs, écouter couler les rivières et parler avec les ours. Détaché du principe de réalité, j'oublie mon arthrose et mon trou à la banque, et je ne fais qu'une seule chose. Enfin, ça, c'est ce que tu crois. Bah, c'est ce qu'on croit tous. C'est ce que tu penses que ce qui va t'arriver, quoi. Tu te dis, c'est génial. Ah, bah oui. Bah, c'est ce qu'on pense tous quand on part grimper.
faut surtout tout oublier et puis y aller, quoi. Ouais. Et en plus, tu te dis, l'escalade est en cela une cure thermale, donc tu vas vraiment pour te régénérer, qui accepterait tous les âges et tous les milieux pour en faire juste des humains mis à nu. Il y a les jeunes excités, imberbes en quête de personnalité, ou ceux plus asthmatiques qui voudraient leur ressembler, les dépressifs, les hyperanxieux, les hyperactifs ou encore des pucelles ravies de suivre leurs prétendants dans une aventure qui pourrait assouvir leurs désirs et vice-versa. Il y a les jeunes vieux comme moi, mais aussi les très vieux qui ne veulent pas lâcher le manche sous peine d'être considérés comme morts et enterrés. Enfin bon, tu t'extrapoles, t'es dans ton truc, c'est... à fond pour l'escalade, et tu t'imagines en plus pourquoi les autres font de l'escalade. Oui, parce qu'on cherche tous un sens à savoir pourquoi on grimpe finalement, mais, ouais. Et on vient tous avec, des bagages différents. Mais le côté de la cure thermale, c'est pas mal quand même. Bah, c'est vrai que c'est, normalement c'est ça, hein, c'est qu'à chaque fois on en rêve, on se dit bah là c'est bon, on va pouvoir se détendre. Ouais. Bon, c'était pas le cas cette aventure, c'est sûr. Et donc, tu pars avec Kurt. Donc, Kurt qui est un de tes copains. Ouais. Hein. Mais malheureusement, Kurt, il te demande quand même quelque chose. Tout passionné de montagne qu'il soit, Kurt s'est fait tirer les oreilles avant d'accepter mon plan, car depuis quelques mois, il est amoureux. Maladie moins préoccupante qu'un coronavirus, mais handicap majeur pour un humain trop sensible. Est-ce que tu accepterais qu'elle vienne avec nous ? Elle ne viendrait pas pour grimper, mais elle serait heureuse de traîner un peu dans le coin. Un traducteur misogyne dirait qu'il a attrapé une belle tique qui lui colle aux fesses, mais qu'il ne peut pas se passer d'elle. Elle s'appelle Alexandra Breswer, elle est écossaise. Elle a fait, me dit-il, quelques petits boulots ici et là, mais joue surtout du rock dans plusieurs petits groupes, du death metal à Calgary, et elle adore la musique électronique. Elle semble ravie de visiter la Californie qu'elle ne connaît pas et de nous servir de pot de fleurs au campground, car de toute façon, m'a lancé Kurt, je suis désolée, mais elle a horreur de cuisiner. Je ne savais pas que Kurt, lui aussi, pouvait avoir une vision particulière sur les rôles féminins préétablis, à moins qu'il ne cherche à justifier sa fonction sur place pour que je l'accepte dans l'équipe. Dans mon souvenir, Kurt est la crème des crèmes. Un être tout en bonté et gentillesse, le genre à se faire croquer par un ladon, le dragon gardien du jardin des Hespérides. Ouais, déjà c'est foutu quoi. En gros. C'était la première mauvaise nouvelle. Ouais. Oui, bah, c'est, puis ça arrive plein de fois ça. Hein, David ? Ah bon ? Mais non, bah, on se retrouve avec une équipe, pas forcément une fille qui vient mettre... la Discord, mais on se retrouve toujours avec une équipe de départ. Et l'équipe, voilà, elle est calée. On se dit que là, c'est l'équipe imparable. Et d'un coup, il y a l'électron libre, voire le maillon faible, qui rentre dedans. Et c'est déjà là que on peut se dire que c'est tout écrit. Bon, alors c'est vrai que vous débarquez, eux ils sont en voiture, ils sont venus du Canada en voiture tous les deux, c'est ça ? Voilà, parce qu'en fait moi, Kurt, j'ai passé un an au Canada avec lui, et je l'avais rencontré avant, mais particulièrement là, on a eu en fait relation d'amis qui était fabuleuse. En fait, on était au Canada ensemble à Canmore, le petit village de Canmore. Et on passe du temps à échanger, à construire encore des structures de glace, parce que c'est ce que je faisais avant. Et il me tire dans ce truc où je ne voulais pas encore refaire de la slush et continuer à construire des structures pour faire un festival de grimpeurs de glace. Donc finalement, ça se passe super bien, on fait quelque chose qui est sympa, il adore ça, et on se dit qu'on ne doit pas seulement se voir pour faire des événements, mais essayer de grimper ensemble. Et c'est comme ça que finalement... Voilà. C'était il y a combien d'années, ça ? C'était en 2004. C'est vachement vieux. Ouais. Pas si vieux que ça. Enfin, bon. Et donc, bon, c'est compliqué parce que vous n'avez pas de logement, vous dormez dehors, et ça ne plaît pas beaucoup à Alexandra.
Non. Hein? Elle a peur des ours. Elle a peur des ours, ouais. Ces bêtes qui nous reniflaient toute la nuit et je ne sais pas encore pourquoi ne nous ont pas déchiquetés en morceaux. Kurt, c'est pas possible, je ne veux pas repasser une nuit comme celle-là. Mais Alex, c'est ce que nous explique Sam. On va se prendre un petit déjeuner tranquille pendant qu'il va prendre nos places du camping. Puis on ira s'installer correctement dans la tente. Tu vas te faire une bonne nuit au calme et tout ira mieux. J'en ai rien à carrer de votre camping. Ce que je veux, c'est ne pas dormir dans ce fucking zoo bourré de bestioles prêtes à te bouffer les pieds ou t'arracher le cœur alors que tu respires encore. Moi, ce que je veux, c'est un bon bar où faire la fête le soir, une petite piole avec quatre murs solides et un toit renforcé au carbone ou je ne sais quoi, qui puisse me laisser en paix et en sécurité quelques heures. Cœur, tu vois ? C'est ça que je voudrais pour mes vacances, un bar avec de la bière et du vrai son, puis un grand lit où on peut s'envoyer en l'air. Je n'ai pas envie de dormir dans les cailloux à me cacher comme une évadée du goulag. Alors tu pourras grimper toutes les montagnes que tu veux, je te promets. Et ouais. Bah, c'est mal barré quand même. Hein. Ben, surtout que je la connaissais, c'est-à-dire que je savais que c'était d'abord, ça s'appelle a night bird, donc un oiseau de nuit. Et du coup, ce qu'elle aime, c'est faire la fête, avant tout. Après, la journée, c'est fait pour se reposer, pour bien être en forme pour la nuit. Et voilà, après, je me dis que ça va peut-être faire quand même. Parce que finalement, voilà, si elle a envie de venir, elle veut peut-être quand même voir, visiter le parc, et puis comprendre un peu ce qui se passe. Et puis voilà, pas sûr, finalement. Il faut savoir quand même qu'au Yosemite, en fait... la pression des Rangers, elle est, surtout à cette époque, elle était vraiment hyper importante. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas les malins à aller faire du camping sauvage comme ça. Il fallait vraiment se planquer si on ne voulait pas être dans les campings. Et les campings, le problème, c'est que la réservation, c'est assez compliqué. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc, faut aller faire un peu la queue. Et puis, on se voit toute cette forêt. Et puis, on se dit, mais ce n'est pas possible. Voilà, on va gêner personne, on se fait un bon bivouac, mais voilà, mais savoir quand même que les rangers ils veillent, et du coup si on fait du camping sauvage, c'est pas les ours qui sont les plus inquiétants, c'est le reste, donc c'est un peu compliqué avec tout ça, mais finalement tu réussis à un moment donné à t'échapper quand même pour aller grimper quoi. Dans une vie, les moments de grâce sont comptés. On oublie trop vite que cet état doit être recueilli comme de l'or en paillettes. À peine posé sur nos mains habiles, elles s'envolent déjà. Combien de fois, pour cet état de transe, avons-nous passé des jours à essuyer nos erreurs et nos stupidités portées par le stress, la jalousie, la colère ou plus souvent encore par l'arrogance. L'habileté s'efface alors et on laisse place à l'erreur et la gaucherie. La perfection résulte bien sûr du procédé. C'est tellement facile de tout foutre en l'air ou de réussir qu'un rien peut nous embarquer là où nous ne voulions pas. Pousser son corps à ce que j'appelle un combat serein nécessite l'accumulation de facteurs favorables qui sont liés à notre état psychologique et à des qualités techniques. C'est pour cela que les alpinistes grimpeurs ou tous ceux qui ont un rapport avec un danger potentiel important possèdent une vision d'eux-mêmes et de ceux qui les accompagnent qui sortent de l'ordinaire. Pour eux, les facteurs de risque et d'engagement sont différents. Sans cette sérénité, on pourrait mourir plus facilement dans des moments réputés moins dangereux. Il faut essayer d'imaginer un Alex Honnold en solo intégral, grimpant la voie Freerider sur la paroi d'El Cap le 3 juin 2017 en 3h56. Cette ascension restera certainement l'un des plus grands exploits de l'escalade du siècle. Le seul homme à grimper l'une des voies plus difficiles d'El Capitan sans corde, avec juste l'aide de ses mains et de ses pieds. Le combat serein qu'il a mené pour atteindre le sommet reste d'un engagement extrême, car il faut pouvoir exécuter des mouvements d'une difficulté proche du maximum connu en escalade libre, tout en étant suspendu à 1000 mètres de haut sans corde ni aucun moyen de protection. Toi, t'en étais où, toi, dans tes... Alex Honnold, tout ça le... Oh ben ça n'a rien à voir, c'est le combat serein, ton combat à toi c'était quoi? Ben justement je l'expliquais un petit peu avant dans la fissure que j'arrive à me faire en solo pendant qu'ils sont en train de s'étriper les deux en bas au camping. Du coup je vais me faire un petit coup, voilà, un petit coup de solo tout seul mais auto-assuré, donc rien à voir avec Alex Honnold.
Et je fais de l'artif. Donc, il y a tout qui nous oppose. Mais c'est à ce moment-là où, du coup, j'arrive à faire quelque chose quand même d'assez dur pour moi, de différent en plus. Et je le fais de manière détendue. Et ça se passe bien, parce que je suis serein. Et cette sérénité-là, c'est pour ça que je l'ai expliqué après. Ce qu'il faut vraiment dire par rapport à Honnold, c'est que c'est justement, on ne se rend pas compte, en fait. Personne ne se rend compte, même les grimpeurs, de jusqu'où il a poussé, en fait, la difficulté avec aucune erreur possible. Et les 1000 mètres d'El Cap, avoir les doigts coincés et être pendu à 800 mètres de haut en train de faire des mouvements qui sont absolument dingues parce que c'est des mouvements de bloc qu'on aurait même du mal à en tant que grimpeur fort à faire juste au ras du sol. Et là il les exécute à 800 mètres du sol. Il y a notamment un pas de bloc qu'il va faire au milieu qui est même lui, il ne sait pas s'il va le faire. Donc du coup, c'est expliqué qu'il y a un moment donné, dans l'escalade, ce n'est pas seulement la force et de se dire qu'on est les meilleurs parce qu'on est très fort et très costaud. C'est que là, il y a un moment de psychologique qui est au-delà de la force. Et ce que lui fait, il y en a plein d'autres en fait qui ont le même niveau que lui, mais qui n'en seraient pas capables. Vraiment pas capable. Et c'est pour ça qu'il a mis la barre là, vraiment, vraiment, vraiment loin. Quoi. Et donc, c'est expliqué ce moment où, de toute façon, on a la possibilité, si justement on est bien. Mais bien, ça ne veut pas dire seulement relax, etc. On sent ces choses-là. C'est quand on l'a fait déjà plusieurs fois où on sent, on sent qu'on est. Comme on dit, rien ne peut nous arriver. Et quelque part, c'est un peu vrai. C'est que, parce que tout est fait dans l'enchaînement pour que ça marche. Évidemment, il y a le bagage, il y a tout le reste, mais avant tout, il y a un état d'esprit à ce moment-là qui fait que ça va faire. Et toi, dans ton histoire, la longueur que tu équipes, ouais. À un moment donné, tu te fais quand même cette réflexion justement sur ton combat serein, tu es content. Ah bien sûr. T'es passé. Et ben c'est pour ça que je peux quelque part, même si on est à des univers de niveau et d'objectifs, malgré tout, on se retrouve dans la même situation. Donc t'as déjà eu quand même cette joie-là, quoi. Et ouais. Parce que bon, il y a des péripéties que vous lirez, vous découvrirez au fil de la lecture, mais il y en a une, bon, quand même, je peux vous la raconter. Vers minuit, l'instinct me réveille. Il neige. Californie, mon cul, le parc avec toutes ses surprises. J'ai déjà été réveillée par la neige au sommet d'El Cap, mais sans jamais dans la vallée. Des flocons gros comme des pizzas pénètrent l'épaisse forêt et se collent à ma tente. 10 cm se sont posés sur le sol. Camp 4 est à 1200 mètres d'altitude, autant dire qu'au sommet, le monde est en train de changer. Je secoue la toile et essaye de me rendormir. Qu'est-il en train de nous arriver encore? Vers 4 heures, je suffoque dans le duvet, je frappe la toile. Cette fois, c'est épais. Des guitares saturées vibrent dans ma tête comme des acouphènes. Je dézippe l'auvent de la tente pour voir le désastre. Il faut une pelle pour aller aux chiottes et le vent s'est levé. Des arbres se déchargent et frappent le sol juste à côté. L'air est saturé de flocons. Comme une tempête hivernale. Adieu, fini les shorts, une nouvelle saison commence. J'enfile une doudoune, qui par chance est dans mon sac de hissage, chausse mes tongs avec une paire de chaussettes et commence à me frayer un chemin jusqu'à mon deuxième sac où sont planquées mes bonnes chaussures. Allez, voilà. Et je retrouve avec bonheur une paire de gants. Californie, une douceur inoubliable. Ça, c'est pas de peau quand même. Hein. Non. C'est, en fait, on a l'impression que c'est pas de peau, mais la neige là-bas, en fait, je l'ai chopé plusieurs fois. Mais autant que ça, non. C'est sûr que là, il y avait des quantités en bas, surtout en bas dans la vallée. C'était ça qui était impressionnant. Pour un mois encore, normalement. Chaud. Chaud.
C'est vraiment bizarre d'avoir autant de neige en bas. Mais on a déjà chopé, en arrivant au sommet de Salaté, on s'est fait choper par la neige. Et combien de grimpeurs se sont fait choper dans El Cap ? Voilà. Alors là, c'est le grand moment, hein, le grand show des Américains. Au moment où il y a la neige qui arrive, là, il ne faut plus bouger. C'est très spécial. Donc, ils savent que de toute façon, il y a certains grimpeurs qui vont être en difficulté par le froid, etc. Parce qu'évidemment, ils ne prennent pas forcément les bons trucs. Donc, en bas, par exemple, il y a, en bas d'El Cap, à un moment donné, il y avait un petit écriteau marqué « Goose kill ». Au début, c'est pas facile à comprendre. Les oies tuent. Ouais, vous avez compris ? Non, vous n'avez pas compris. Ouais. C'est le duvet. Le duvet, si tu prends un duvet en plume d'oie, et ben du coup, si tu prends un coup la neige, le problème, c'est que quand tu es dans El Cap, c'est pas la neige que tu vas prendre, c'est un torrent de flotte. Et ton duvet, il va se transformer en rien. Ouais. Et du coup, là, c'est là où tu vas te geler. Donc, ils essayaient de faire un peu d'informations pour avoir des duvets en holophile, en synthétique, pour justement pouvoir sécher et pouvoir se réchauffer si jamais on arrivait à sécher son duvet. Et alors après, ils sont en bas avec des haut-parleurs. Donc, il y a El Cap Medo, donc un grand champ, il y a la route, et puis là, pile en face, donc les longues vues, les bagnoles, les gyrophares et les haut-parleurs, les speakers, voilà. Et donc, « Do you need help ?» Voilà, c'est pas facile. Alors après, ils le font généralement le soir, et puis on peut communiquer avec la lampe. Donc, « If yes, two times. If no, nothing. » Ok, tac. Et puis après, ça continue. Et après, ils essayent de communiquer, donc de savoir, « Ok, lui, c'est bon, lui, c'est bon, lui, c'est bon. » Et après, « Ah, ok, celui-là, il est dans la merde. » Donc, après, peut-être qu'on envoie une équipe. Parce que, alors, avant d'envoyer l'hélico, là, il faut vraiment qu'il y ait peut-être le président de la République qui soit dedans. Non, en tout cas, oui, parce qu'en fait, déjà, ils ne sont pas faits pour faire du sauvetage en hélico. Parce que déjà, c'est trop raide. En plus, les hélicos sont énormes. Donc, ils ne vont jamais aller se rapprocher assez près. Donc, ils peuvent souvent voler pour aller voir, pour dire voilà, ça va, etc. Mais la plupart du temps, il ne peut pas y avoir de sauvetage hélico. Donc, il y a toute une équipe qui est bien rodée de sauveteurs, donc qui sont rangers, mais à la fois généralement guides et bons grimpeurs, et qui en fait traînent tout le temps Uyoz, et qu'on fait leur système avec en haut, évidemment, une batterie de speed avec des treuils, etc. Et ils vont les chercher depuis le haut. Après, soit ils les descendent en fonction de là où ils sont, soit ils les montent au treuil. Mais avant de faire ça, évidemment, si en haut il y a 2 mètres de neige, là ça fait pas quoi. Parce qu'en fait, il y a des gens de tous les niveaux qui grimpent au summit. Oui, oui, et de plus en plus, parce que forcément ça attire, c'est quelque chose. El Cap, tout le monde veut grimper El Cap, surtout le nose, qui est donc l'angle, puisqu'en fait El Cap c'est comme ça. Et du coup, l'angle là, c'est une voie mythique, et évidemment, tout le monde veut essayer le nose. Et le nose, la chose, c'est qu'on ne se protège pas forcément beaucoup parce que du coup, on n'a pas besoin de tente parce que c'est des vires. Et à chaque fois, on va aller de vire en vire pour faire ses bivouacs. Donc, on s'équipe moins. Ceux qui sont en portaledge, généralement, ils s'en sortent bien parce qu'ils ont le fly, donc la tente qui va sur le portaledge. Et du coup, tu es abrité de la flotte, tu es abrité même de la neige un peu qui s'effondre et puis qui part un peu en morceaux à droite à gauche quand ça commence à taper le soleil. Mais ceux qui sont dans le nose, le pire en plus, c'est que c'est des grands dièdres. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la flotte, ça devient du canyoning. Et donc, ils sont sur les vires en train de recevoir le canyon sur la tête. Et donc, généralement, ça ne se passe pas très bien. Enfin, pour en revenir à ton histoire, toi, donc, tu avais équipé une voie et il neige, donc faut récupérer les cordes, quoi. Faut récupérer les cordes. Ouais, après, pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais faire. C'est quand même un peu bizarre. Mais c'est vrai que, de toute façon, j'imagine bien que, vu la quantité de neige, ça va pas faire pour un bon petit bout de temps d'essayer de grimper El Cap. Donc déjà, une emmerde de plus. Donc vous décidez de... On décide de partir. On se dit, c'est bon. De toute façon, pour au moins quelques jours, il nous restera peut-être un peu de temps pour grimper après. Mais au moins, on se barre une semaine pour laisser le temps de sécher la paroi. Et vous partez où exactement ?
On veut grimper à Sonora. Donc, c'est pas très loin. C'est pas très loin, non. C'est 2 heures de voiture. Mais on s'éloigne un peu du parc pour perdre l'altitude et essayer d'être dans un coin qui est pas très très joli, hein, mais ça permet de grimper même quand il pleut. C'est une grotte où les grimpeurs vont souvent, c'est l'escalade sportive. Et à chaque fois que les grimpeurs là-bas, il fait mauvais, souvent c'est le refuge pour aller se faire les bras. Et donc vous voilà parti. Un bruit de rouage grippé surgit du véhicule et nous arrache instantanément à notre contemplation. Kurt lève le pied, le bruit augmente. Il me regarde. Cela ne vient pas du moteur, mais de l'arrière. Une roue ! Le grincement est maintenant plus bruyant que le moteur lui-même. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe encore ? On dirait un roulement. En tout cas, ça vient de dessous les sièges à arrière. Kurt arrête sur le bas-côté et coupe le contact. Je me penche sous la caisse. Rien d'anormal, les 4 roues sont là. Il redémarre le moteur. Pas de bruit suspect. Nous repartons. Mais après 50 mètres, la perceuse à percussion reprend. Kurt roule au ralenti inquiet, il a mis les feux de détresse et n'ose plus avancer. Il nous faut un garage. Jamestown est à 8 miles. Il y aura bien quelque chose. Quel jour on est ? Samedi. Et il est tout juste midi, mais c'est comme chez toi. Les ricains ne font pas de pause en mi-journée, ça va faire. Cahin, cahin, nous contractons les fesses à l'affût d'une dépanneur. La bagnole tient son cap à 30. Au premier feu entre la 49 et la Washington Street, Kurt prend à droite au hasard. La ville est déserte. 2 blocs plus loin, nous tirons à droite à nouveau et stoppons la machine sur une station Exxon. Un camion gigantesque s'est garé au milieu du parking. Sa calandre et ses cheminées en inox astiquées avec méthode claquent au soleil. Je sors pour m'enquérir d'un service de dépannage. Le pompiste, sympathique, m'explique que nous pourrions trouver notre bonheur à quelques pâtés d'ici. Tu verras, ça a 5 minutes et il est super bon. Il est super bon. Ouais. Ouais. Bah ouais. Maintenant, c'est la caisse. Et les rencontres incroyables, quoi, quand même, parce que là, c'est... Ah bah oui, bah là, après, on va rencontrer encore des personnages qui vont aller au-delà de ce qu'on imaginait. C'est-à-dire qu'à la limite, bon, voilà, la copine qui fait une petite crise, ce qui est normal, voilà, une crise de couple. Et puis après, la voiture qui tombe en panne, encore, bon, bah voilà, c'est normal aussi. Ça arrive. Mais là, on va s'enfoncer encore un peu plus loin. Ouais. Grâce au dépanneur. Bah oui, qui t'a guidé, qui t'a indiqué un bon coin. Voilà. Et en fin de compte, bon, on va pas tout dévoiler, mais en fin de compte, c'est pas vraiment. Ça a une réflexion sur pourquoi on grimpe, mais on grimpe pas beaucoup, quoi. Ah ben non. Hein? Mais de toute façon, on grimpe jamais beaucoup. Ça, c'est dans nos rêves qu'on grimpe beaucoup. À chaque fois, on pense qu'on va grimper énormément. Finalement, il y aura juste cette longueur, quoi. Oui, ah bah, il y en aura un peu plus, un tout petit peu plus sur la fin quand même. Mais non, ce voyage-là, c'est sûr qu'on n'en aura pas... Mais c'est l'aventure, quoi. Ah ben, c'est la base. Hein, ouais. C'est une sacrée aventure. Ouais. Enfin, on ne vous dira pas comment elle se termine. Et que finalement, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de grimpes, mais il y en a eu suffisamment pour que ça soit bien. Ouais. Mais c'est surtout, au fait, de, voilà, cette descente aux enfers qu'il fallait quand même raconter, parce que quand on la lit, on pense que c'est pas vrai. À côté de ça, voilà, ça permet quand même de voir autre chose que juste savoir si on va aller au relais ou si on va aller au sommet. C'est quelque chose où, voilà, forcément il y a une remise en question, puisqu'on se dit vraiment pourquoi on grimpe, pourquoi on grimpe pas. Mais aussi pourquoi on est là. Et finalement, on voit, on réalise avec ça que c'est, il y a pas que le sommet et pas que là-haut. Il y en a d'autres et finalement, ça peut... Il y a tous les activités. Ça peut se retrouver. Même quand on fait qu'une longueur. Mais c'est vrai que c'est un but, même si tu prends un but, l'escalade. Mmh. Enfin, sans faire de jeu de mots désastreux. Mais grimper un sommet peut être effectivement un but à atteindre, mais en même temps, c'est toute l'aventure qu'il y a tout autour, tout ce qui se crée.
Enfin, c'est l'énergie que ça te demande ou qui peut être assez sympa, quoi, en fait. Enfin, ben, je pense qu'on ressort tous finalement, même Alexandra. Ouais. On ressort tous de cette histoire mieux. Mieux, grandi. Pas grandi, non, parce que moi, j'ai pas l'impression que je grandis tous les jours ou que j'apprends des choses plus intéressantes du coup que je m'élève. J'ai des choses intéressantes dans la vie, mais il y a toujours des hauts et des bas, comme d'habitude. Donc du coup, même quand je vais apprendre, il y a des choses que j'aurais pas voulu apprendre non plus. Parce que voilà, c'est pas que du bien, que de tout le temps. Mais par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est créé là-bas, finalement, où tout le monde est content. Tout le monde se dit, parce qu'elle, finalement, elle se rend compte qu'elle n'aurait jamais dû être là. Mais il faut y aller pour savoir. Oui. Tu sais pas. Tu sais pas, il faut essayer. Et puis lui, il se rend compte qu'il y a autre chose à faire que rester avec elle. Et moi, finalement, je suis vraiment content. Je reviens, je suis apaisé de plein d'autres choses. Calmé. Ouais. Un bon but. Ouais. Mais en tout cas, c'est étonnant parce que c'est rare des... Il faut des buts dans la vie. Oui, il faut des buts. Dans tous les sens. Mais c'est d'habitude, on a plutôt des héros qui nous racontent leurs exploits, qui aiment briller, qui aiment... Et toi, t'es l'anti-héros, quoi. Oui, bah, parce que c'est vrai, en plus. Je suis pas un héros, du tout. Mais voilà, tout ce qu'on a fait tout le temps... Il y a plein de fois où on se dit mais attends, faut que je te le raconte ça. Et finalement, il n'y a pas que la réussite qui marche, parce que comme on vient de le dire là, ouais. Voilà, il y a des fois où c'est bien d'en prendre une bonne dans la tête ou dans les fesses. Bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vécu des trucs comme ça, mais qui ne les racontent pas. Ouais. Aussi. Moi, ou alors ça pas. Leur passe au-dessus, ils voient ça que comme des contrariétés, quoi. Ouais. Et pas comme un les Nord-Américains sont beaucoup plus par leur culture sont beaucoup plus amenés à raconter leurs choses qui sont pas bien passées. Nous c'est vrai que particulièrement même les Français on n'aime pas tout ce qui s'est pas bien passé, c'est il y a le côté échec, voilà, ouais. Ouais. Et voilà ce qu'ils appellent near missing. C'est ça a failli arriver, quoi. Ça a failli merder. C'est ouais, mais il y a des fois, il y a des trucs super. Ben oui. Puis en plus, c'est super bien écrit. Puis ça te donne vraiment l'occasion de réfléchir. Mais puis je voulais, après je voulais aussi par rapport au sale gosse, il y a eu le portrait des petits cons qu'on grandit et même qu'on vieillit. Donc voilà, il y a eu un moment même la volonté de dire que finalement ce deuxième volet, ça aurait pu s'appeler Vieux Con. Oui, parce que ça le con, c'était pas forcément. Moi, j'aurais vieux bien aimé Vieux Con. Vieux Con, j'aurais bien aimé. Ouais. Mais en fait, surtout, c'était pour dire que forcément, quand on avance dans la vie, il y a des choses différentes. Mais on n'est pas obligé de tourner Vieux Con. On peut quand même vieillir et. En ayant envie de continuer de partager. Voilà. C'était un peu ça. Un message d'espoir que tu nous lances à tous. Ouais, surtout maintenant, tu vois, on est tous avec nos masques, là. Oui. Ouais. On peut vieillir bien. Ouais. Super. Ouais. Parce que, bien sûr qu'on a des aigreurs, parce qu'on a toujours envie de « Ah, merde, j'ai pas fait ça. J'ai pas... Ah, puis, je voudrais encore faire ça. Hein. » Il y a ma femme qui me le rappelle souvent, d'ailleurs. T'es pas obligé de faire tout le temps plein de trucs. Il faut juste se dire que finalement, il y a des trucs à faire, toujours, à son échelle, à son niveau, et avec les rhumatismes qui vont avec. S'adapter, quoi. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le livre et qui ont des questions? J'en connais qui ont même participé au livre. Mon frère. Parce qu'il a lu les chapitres qui n'étaient pas finis. François, de la même façon, en fait, c'est les lecteurs qui m'aident un peu à prendre la température de ce qui va être pas trop mal ou de ce qui va être franchement mauvais.
Du coup, c'est pas mal parce que ça, j'ai à chaque fois, voilà, j'ai essayé de balancer deux, trois trucs. Souvent, déjà pour Sale Gosse, où j'essayais de balancer des chapitres à l'avance et puis en essayant de dire tiens, voilà, qu'est-ce que tu penses et tout. Et il y a toujours à un moment donné, justement, la question à dire, mais pourquoi ça, par exemple? Et là, tu dis, ah ouais, mais ouais, ouais c'est sûr que là, s'il me pose cette question-là, c'est que là, j'ai été mauvais parce que j'ai pas raconté forcément ce qu'il fallait. Et notamment, une personne qui m'a toujours aidé depuis le début aussi, c'est Manu Pélissier, qui est mon lecteur. Donc voilà, du coup, j'avais fait des petits remerciements sur la fin, pour une fois, à ceux qui m'ont aidé un peu. Et toi? Et d'ailleurs... C'est marqué à ma fille May qui avance à pas de géant. Et voilà. C'est toi du coup, hein? C'est pour toi ce livre, hein? Mais t'inquiète, Coco elle a le premier. Bon, bah merci, hein. T'as moins qu'il y ait des questions ou des témoignages. Tu veux dire quelque chose, François? Ah non, mais j'ai toujours été bluffé par l'énergie de Sam écrivant, et quels que soient les endroits où on était, dans les trucs les plus improbables, dans les avions, dans les hôtels, dans des campements, sous la tente, toujours à écrire, ça a été très très impressionnant. Très très impressionnant. Parce que c'est vrai, t'écris. C'est vrai que et parfois on a d'autres choses dans la tête, et puis il était là avec ses bouquins, et à écrire, penser, alors que moi j'en étais complètement incapable, quoi, même de réfléchir à autre chose, quoi. C'était assez marrant parce que ouais, c'est vrai qu'on a, on a voyagé pas mal ensemble, et du coup j'ai souvent écrit, et ben, je me rappelle d'ailleurs de la fin de Sale Gosse qui s'est écrit dans l'avion pour le Japon. Ouais. Voilà, parce que j'aime bien, en fait c'est le seul moment où j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu de moment voilà, où j'arrive à réfléchir deux secondes, et c'est dans les voyages, donc les voyages c'est pas mal ça. Et puis même les camps de base, puisque du coup on s'est retrouvé au Vinson. Voilà, forcément dans l'attente ou le repos, parce qu'on venait de faire une traversée qui était bien, bien fatigante. Et du coup, après, on a au camp de base, je continuais à écrire. Et voilà, c'est pas mal. C'est des moments bons d'être dans un lieu qui est complètement différent. Voilà, on était en plein cœur de l'Antarctique et j'étais en train de parler de Yosemite. C'était rigolo. Rob, tu veux dire un petit truc? T'en as déjà dit pas mal, hein. Ouais, bah pareil, hein, ma classe quoi le franc. Non, mais tu dis que t'écris toujours en voyage, tu l'as pas écrit en voyage, celui-là. Hein. Bah, comment tu le sais? Mais tu l'as pas plutôt écrit... Vas-y, dis-moi. Au cœur de la nuit, quand tout le monde dort. Ah si, ça c'est vrai aussi, ouais. Pendant le confinement ou... Non, alors le confinement, impossible. Impossible d'écrire une seule phrase. Ah ouais? Bah oui, parce que voilà, il y a deux zigotos là qui sont à fond. Et non, non, alors là, confinement, c'était pas inspirant du tout pour moi, quoi. Ouais. Non, j'ai préféré poncer du bois, par exemple. Voilà, petite chose, voilà, d'être dans le vide. Et non, le confinement, ça m'a pas aidé. Après, bah justement, je me disais, tiens, bah super, j'ai du temps, parce que j'étais un peu en retard, je sais. Et tiens, j'ai du temps, bah là c'est bon, ça va avancer, ouais. Bah rien, que dalle. Et puis après, oui, les histoires de la plage blanche, c'est pas la page blanche, c'est qu'en fait t'as même pas envie d'écrire, tu es là, et puis non, bah non, de toute façon j'ai pas envie d'écrire du tout. Et puis par contre en voyage, voilà, où il y a ce déplacement, il y a cette envie de voir autre chose, et c'est à ce moment là en train aussi, en train c'est génial. Entre deux points, quoi. Ouais, entre deux traitements, ouais, entre pour une mal au dos, dans nos aventures, voilà, qu'on continue. Du coup, c'est marrant, parce que je pense que quelque part, il y a eu deux volets entre Sale Gosse et Vieux Con, et le Petit Désastre. C'est voilà, je parle toujours de plus de mon activité mon activité de grimpeur amateur. Je parle un tout petit peu voilà du guide, mais pas beaucoup.
Et je pense qu'il y aura un pendant aussi, c'est-à-dire que voilà, les sales gosses, c'était les petits cons qui font, voilà, qui découvrent la montagne et puis quelque part ça les sauve aussi. L'autre, c'est plus se dire, bah ouais, voilà, comme disait Dominique Potard, si on regarde dans le rétroviseur et puis on dit, ah ouais, tiens, ouais, voilà, tout ça c'est déjà derrière, qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais finalement, voilà, il se passe encore des choses, mais différemment. Et puis, pourquoi pas, voilà, un appel à la suite si j'ai toujours envie d'écrire. Puis si vous voulez de moi pour alors, écrire encore quelque chose. Tu repartes en voyage alors, tu reprennes l'avion. Voilà, ça serait plus le pendant du guide, c'est-à-dire ouais. de parler plus. On m'a souvent posé la question, ah mais pourquoi tu parles pas, voilà, mais j'en avais pas envie et puis ça avait pas leur place. Je pense pas que ça avait sa place de parler de mon métier. Mm-hmm. Je pense que il fallait pas qu'on parle du métier. Pour moi c'était quelque chose de différent. Et j'avais pas envie de parler de mon métier en même temps. En fait, moi, si je voulais dire un truc, c'est que finalement, je suis pas surprise de devoir écrire. Parce que déjà, il suffit de regarder ce que tu lis, ce qui est quand même très très atypique dans une bibliothèque de guide. Enfin, moi, j'ai toujours halluciné quand je regardais les bouquins chez tes lectures en général. C'est complètement. Comment dire. Ce sont des lectures pointues, quoi, tu vois, c'est pas. Donc, en fait, je suis pas. Je me régale à te lire, mais ça ne m'a pas surpris d'écrire. Pour moi, c'était. S'il y avait bien un qui devait écrire, c'était toi. Voilà. Parce que, d'une part, dans la capacité à raconter, aussi le recul que tu peux prendre par rapport aux choses, et puis aussi l'attirance, je pense, littéraire qui existe. Quoi. Tu vois. Voilà. Donc, ça me fait super plaisir, mais. Je suis heureuse, mais pas surprise. Heureuse pour toi, mais pas surprise. Merci. Et c'est pas surprise que ça soit bien écrit. On sent un désir de mettre en mots des émotions que tu ressens, mais que tu as envie vraiment de mettre en mots. Quoi. Mais ta façon, avec ta façon à toi de le dire. Oui, oui. Bah, en fait, l'idée, c'est pas. En fait, je voudrais pas faire un récit technique. Bien sûr qu'à un moment donné, j'ai envie de parler. Par exemple, voilà, je parle de cette fissure, je parle de l'artif. Je parle forcément du bruit de décoffrage, de ce que c'est que l'escalade. Mais si il y avait que ça, ça me plairait pas de raconter juste ça. Ce qui me plaît, c'est de raconter, un peu les sentiments autour. Hein. Pourquoi pas? Je sais pas si j'y arrive.